Et nous revoilà à Égletons, en météo réel. Hop là! Alors, le but du jeu, ça va être de tester les améliorations sur le DA40, puisque le problème vient effectivement d'une gestion des tours minutes. Hein. Il y a des correctifs qui sont proposés. Apparemment, ça date de 2021. Bon. Je ne vous pas corrigé depuis, apparemment. Ok, donc j'ai installé le mode qui va bien, d'ailleurs au passage. Installer un mode avec des caméras, mais je sais pas comment les utiliser, donc c'est pas grave. Maintenant que je sais où est l'horamètre, on peut le prendre. Alors, on part sur 40 litres. Et on va mettre tout ça en route. Parc, pied sur les freins, c'est ouvert. Voilà donc. Strobe, la pompe. Clac, personne devant. Ça démarre hélico. La pression, alors la température, elle y va. La pression. Et on avait vu qu'on pouvait mettre. Ah ben voilà, les RPM sont bien comme il faut. Au ralenti, on peut mettre jusqu'à 50% pour la chauffe. Avionique Master. Voilà, on met tout vu les conditions météo. J'ai mis l'avionique Master. Les chauffes pitot, pas besoin. Bon, il est 18, le moteur chauffe. Et on va faire un petit tour. Donc météo, temps réel, histoire de s'amuser un peu. On va voir ce que ça donne. A priori, c'est pas top. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Il n'y a rien. Donc on est quelque part, je sais pas, par ici, là voilà, Clermont. Ah, Clermont est là, nous on est là. Bon, d'une dizaine, ah non, d'une vingtaine de nœuds. Ah, il y a 2000 pieds. Non, il y a 2000 pieds, c'est ça. Alors à 2000 pieds, il y a 10 nœuds peut-être. Peut-être même pas. À 1000 pieds, ça souffle un peu plus de la gauche. Pas forcément top, turbulence modérée. Mais qu'importe, c'est pas le sujet, donc j'ai quand même pris la carte VAC. Et Talami, histoire 2. Donc on va faire juste un vol ici à là. Donc le vent du temps en 70, on va venir en 25, décoller, tour de piste main gauche, et hop, on se barre. On a du relief, on chemine à gauche le long de l'autoroute. Quand on voit Ucel, allez, vas-y, crée un petit point ici. Voilà. Quand on voit Ucel, on est à 4 nautiques, donc à 2 minutes à peu près
Talami. Donc 12 et 6, ça fait 16 minutes, ça fait 8 minutes, 10 minutes de vol à tout casser. Ok, donc c'est dans le vert. On va pouvoir y aller. On lâche les freins. On essaye les freins, ça fonctionne. Donc dans cette amélioration-là qui a été proposée, il y a pas mal de choses. Notamment le roulage au sol, j'ai l'impression. Ah ben là, ça devient bien là. J'ai l'impression que l'audio moteur est pas la même aussi. En tout cas, le régime réduit des RPM, il est beaucoup plus. C'est même pas qu'il est beaucoup plus. Ouais, il est conforme, mais dans les 700 tours normalement. Ah, on a les instruments aussi là. Enfin, les paramètres moteur à gauche. Alors, pied sur les freins, frein parc. Et là, on vient. Une interaction, mais j'ai pas vu ce que ça faisait. Enfin, si je sais que ça teste le CUA et le CUB, mais en pratique, d'accord. Donc il y a même des choses à améliorer de ce côté-là. Un petit détail. On est à 1800 et l'autre tour de piste il est 3400. Personne n'en approche. Ok, un cran de volet. Pompe. Les volets se mettent. Ici, pied sur les freins. Quatre-vingt-douze % pour le décollage. On y enlâche les freins. Badin s'active déjà, c'est parfait. Vent légèrement de droite. Ok, on est take-off. Dépasser les 50 pieds, 72.
Donc 1800. Ok, plus de volets, pas de pompe. On cherche 88. 92%, on est 2100, c'est bien. Traversier, ah ben les langues c'est différent. Il est devant moi, pourquoi je le cherche toujours à droite? Paramètre devant. On va grimper 3008. Par contre là j'ai du mal à obtenir 88, ça y est. Il était 26, donc on devrait arriver vers 34. Ouais, 1008, allez, on s'établit en palier, on accélère. Ça, c'est peut-être bien l'autoroute. Peut-être. On se met 75 pour la croisière. Le trimitrine là. Ouais. Ok, j'ai convergé, on a l'autoroute, c'est bien. On est 79%, 76%. Bon, bah, je crois que c'est clair là. J'ai dû revenir. Alors, soit c'est l'autoroute, soit c'est ici. Ok, donc là, je suis en train de... Oui, c'était 64. Ce que je cherchais, c'était le cap. On voit Ussel à gauche là.
Enfin, Ussel ville. Donc Ussel terrain est quelque part devant à droite. Ussel ville. On a là l'autoroute qui est là. Le terrain, il est derrière. Donc si je vise hein, ici, le terrain, il doit être voilà, par là. Ok, on va y aller. Donc on est plus haut que prévu, c'est parfait. Alors on va arriver. On arrive par ici. Donc 27, 28, 3004. La biroute est sur les hangars, d'accord, je me rappelle. Voilà, la ville, l'autoroute. Bon, le terrain est droit devant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on arrive comme ça, on est dans l'axe. Hein. Et une 10, on est sur une... sur un 08, donc on est quelque part par là, on la voit tout de suite. Demi-tour, on revient et on fait ça. Ok, visuel sur les installations droit devant. Donc on arrive comme ça, la biroute elle est là, elle va nous confirmer un vent de derrière, de gauche. Bon. Ah, quand même. Ok, 4004, je suis monté, je réduis 30%. Ok, biroute, un vent de... Ah non, ça vient, donc on va se mettre plutôt en 0,1. Ok, bon, on part en 0,1 alors comme toi. Alors, je suis tout réduit, il maintient 2000 tours. On est sur du 10, on est divergent à gauche, voilà. Il est 35, donc on est arrivé à l'heure, tout va bien. Par contre, 3004, on n'est pas dessus. Hein.
Vente arrière, un cran de volet, pompe. Ah bah ok. Je vais m'acheter des lunettes alors. Bon là c'est pas bon pour la vitesse. Oh, deux crans. Trop vite. Ok. Un cran, remise de gaz, assiette, remise de gaz. Allez, on va le couper un petit peu le circuit. Je garde pompe et volet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon alors c'est pas lié à Flight Recorder comme je me posais la question.
Allez, en base, on réduit. Rapide, plus sur le plan mais rapide. Allez hop, elle a plat, deux grandes volées, tout réduit. 500. Et on cherche 73. C'est mieux. Un peu haut, mais mieux. Un peu vite. Bon, là je pense arrêter Flight Recorder, mais c'est idiot puisqu'il n'est pas lancé. Bon, en tout cas, voilà, c'est clair avec cette amélioration, on retrouve quelque chose qui a l'air d'être beaucoup plus intéressant. Je dis je trouve, hein, puisque je ne le connais pas en vrai. Bien plus conforme à ce que j'ai pu lire. C'est pas deux vols qui permettent de dire que je le connais, hein, bien sûr. Bon, ben voilà, c'était un dernier petit vol de Sim PPL avant quelques temps, a priori. Reprise en réel imminente. On verra quelle disponibilité ça laisse pour les vols virtuels. Ok, j'ai reconfiguré, tout va bien, 7000. J'avais pas changé. Pas bougé de place l'autre fois, et puis l'autre fois le gars. En termes de mania sol, c'est le jour et la nuit aussi. Hein. Ok, pied sur les freins, frein de parc. Couper la radio, avionique master. Alors je sais pas si on met ça d'abord ou ça d'abord, mais ça serait engine, je pense. Ouais. À 17 minutes quand même. La clé, ok, ça ici. Aura mètre. Et le carbu, combien on a consommé? 6 litres. Bon, et ben voilà. Trajectoire.
Bon. Je sais pas ce que j'ai à dire bon ce soir. Ok, carrément parti ici, attiré par l'autoroute. Arrivé ici, j'étais tellement bien axé que je le voyais pas. Premier tour de piste, boum boum. Donc un peu short. Deuxième tour de piste. Un peu mieux, mais un peu rapide quand même, donc. Cet appareil est quand même assez fin, faut bien régler la vitesse. Sur ce, on se dit donc au revoir, à la prochaine. Il y a encore une activité de prévue ce soir. Et après, on verra. Bye bye.